Située à 140 km d'Abidjan, au sud-est de la Côte d'Ivoire, la commune d'Ayamé est en fête. Le conseil municipal rend hommage à l'ensemble des populations pour leur esprit d'initiative et de paix, mais également pour le développement de la commune. L'année dernière, une école a été déboîtée. Les enfants ont dû faire la double vacation pour finir l'année. Nous sommes dans une situation où nos enfants, nos petits frères, vont rester sous la douche. Monsieur le parrain, toute la population vous regarde, vous tend la main pour qu'une aide soit rapidement trouvée. Fils de la région et parrain de la cérémonie, le ministre Amontano Marcel loue le courage des populations qui œuvrent tous les jours malgré les difficultés qu'elles rencontrent sur le chemin du développement. Ces attitudes sont les marques de citoyens qui appartiennent à un pays qui progresse, a-t-il indiqué. Parmi les doléances, la plus urgente, c'est la toiture de l'école. Puisque des enfants ne vont pas à l'école, ou bien ils vont par rotation. Alors, le président de la République m'a autorisé à prendre des engagements fermes. L'engagement que nous prenons, c'est que dès ce mois d'octobre, les travaux de couverture de l'école démarreront. Et les enfants pourront reprendre le chemin de l'école. Un terrain de football et l'extension du lycée font partie des projets que retient le directeur de cabinet du président de la République. Cérémonie marquée par des dons aux populations et des présents aux maires et aux parrains en signe de reconnaissance et de gratitude.